Alliés contre le vote RN et ses soutiens. Dans quelques jours, le deuxième tour des élections législatives risque d'amener au pouvoir le Rassemblement national, parti d'extrême droite. Personnel hospitalier, signataire de cette tribune, nous souhaitons manifester notre immense crainte d'un tel résultat. Bien qu'il s'en défende, ce parti puise son idéologie et ses racines dans les plus sombres épisodes de l'histoire de France. C'est un parti raciste, antisémite, xénophobe, n'ayant comme seule solution à tous nos problèmes que la haine et le rejet de l'autre. Depuis des années, en France, l'hôpital est en grande difficulté, résultat d'une politique nationale absurde. Il est insensé de croire qu'en stoppant l'immigration, qu'en refusant de soigner les étrangers, nous aurons plus de lits, plus d'infirmières, plus de médecins, plus de médicaments, plus de secrétaires et d'aides-soignants. Actuellement, c'est aussi grâce à la présence de ses collègues venus d'ailleurs que nous pouvons encore travailler et être soignés dans le service public hospitalier. Cette tribune leur rend hommage. Ne reniant en rien ses origines, le programme du Rassemblement national souhaite bloquer l'accès aux soins des étrangers, suppression de l'aide médicale d'État. Le serment d'Hippocrate nous engage. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Cette mesure est emblématique. C'est une ligne rouge que nous ne saurions tolérer. Elle remet en cause le sens même de notre travail, de nos convictions et de l'éthique médicale la plus élémentaire. Nous affirmons que donner sa voix à l'extrême droite est incompatible avec nos métiers du soin. La xénophobie ne doit pas être le remède à notre colère légitime. L'extrême droite, c'est une réponse au désordre qui nous entraîne vers le chaos. C'est donc signé d'un collectif de personnel hospitalier. Alors, je ne vais pas vous lire, mais il y a pas mal de médecins de tout type de l'hôpital, des cadres de santé, des infirmiers, des aides-soignants, enfin voilà. Il y a de tout et c'est parti à la presse et c'est à signature qui se poursuit. Je trouve, moi, cette position extrêmement importante sur notre territoire.